trois squatteurs étaient convoqués cet après-midi au tribunal d'instance d'Angers pour occupation illégale de locaux à La Roseraie. Depuis plusieurs semaines, ils sont en effet une dizaine de sans domicile fixe, quelques demandeurs d'asile et des gens de passage à vivre dans cet immeuble appartenant à la Soclova. La société d'économie mixte a porté plainte contre les trois personnes qui ont affiché leur nom sur la boîte aux lettres. Ce squat de La Roseraie s'est organisé suite à l'expulsion des squatteurs de la rue Lyonnaise à Angers il y a plusieurs mois. Dans un sens, je comprends, puisque bon, bah, c'est sûr que ça amène là. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ça suive d'amendes, que ça suive de choses comme ça, ça va faire qu'empirer la situation pour nous. Nous, ça va, de toute façon, l'expulsion va faire qu'on va être obligé d'aller dans un autre logement. Ça va avoir faire des frais de justice, des frais pour la police, des frais pour nous. Et au final, ça ne va pas arranger les choses. Moi, là, le mois prochain, là, je vais peut-être gagner encore 200 euros en retournant sur mon chantier à la campagne là, dans les deux semaines. Si on me réclame 3000 euros, quelque part, vaut mieux que j'arrête de travailler. Vaut mieux que j'arrête de travailler et au final, je serai plus aidé, j'aurai plus le droit aux aides. Donc voilà, on a envie de s'en sortir, mais bon, faut qu'on soit aidé un minimum. Quoi. La Soclova demande une expulsion des squatteurs ainsi que 3000 euros pour les frais de justice et 200 euros par jour d'occupation. Le juge pourrait prononcer une expulsion rapidement, le jugement sera rendu vendredi.